où on gère la tombée de l'eau. On découpe en fait l'eau pour faire apparaître des mots. On joue avec l'eau et la lumière pour créer des formes. Le système existe depuis très longtemps, quasiment 40-50 ans. Le système a été découvert par une personne qui voulait en fait écrire sur le sol en faisant tomber des gouttes d'eau. Ce technicien américain s'est rendu compte que finalement il pouvait aussi écrire ou créer en fait des formes dans l'espace. Avec la technologie qui a avancé, donc la vitesse de gestion des électrovannes, les ordinateurs de plus en plus puissants, aujourd'hui le système arrive en fait à un résultat, on pourrait dire, parfait. Des belles lignes, des belles courbes, un découpage qui est précis, contrairement à ce qu'il avait il y a une quarantaine d'années. Cette année, ici à Metz, pour les nuits blanches, le thème c'est l'eau. C'est pour ça qu'on est ici en fait. Et l'idée en fait du projet, c'était d'associer le public à l'œuvre artistique. C'est les gens qui écrivent ces mots ou qui envoient en fait des images qu'on va diffuser sur le Pixel Fall. On l'a mis dans une dimension qui est raisonnable, pas trop petit non plus, parce qu'il faut quand même pouvoir écrire des mots d'une certaine longueur et que les gens aient une visibilité. Mais on ne voulait pas non plus que l'objet soit surdimensionné, pour qu'il reste le plus discret possible. On voit finalement que l'eau qui tombe et on n'a pas l'impression qu'il y a un écran vidéo ou un écran LED ou trop de technologie. Alors on peut faire des pixel fall de différentes dimensions. On est plutôt limité par un objet trop petit. Donc je dirais plutôt 3,20 m pour sa taille minimum. Et dans ces grandes dimensions, on a déjà été jusque 18 mètres. Rien ne nous empêche d'aller au-delà. Aujourd'hui, en fait, c'est plus la quantité de matériel dont on dispose. Et c'est vrai que là, on a 10 modules d'1,80 m et on en fabrique en ce moment 6 de plus. Le Pixel Fall est souvent utilisé pour passer un message, mais en douceur. La plupart du temps, on l'installe de façon éphémère, comme ici, pour un événement, pour une scène derrière des artistes, un salon. Mais on commence aussi par faire des installations fixes. On vient d'inaugurer là d'ailleurs une installation dans un grand magasin où il est installé à 12 mètres de haut. Le côté magique en fait du Pixel Fall, c'est que finalement quand il est éteint, on ne voit rien. Si le système est bien caché dans un faux plafond ou dans une installation, on ne devine pas en fait la technologie. Ce qui rend en fait le Pixel Fall plus magique. Parce que finalement, quand les gouttelettes d'eau qui vont tomber, et ce ne sont que des gouttelettes d'eau, et les gens peuvent s'imaginer que ça tombe d'un tuyau qui est simplement percé, ils ne sont pas intéressés par le côté trop technologique de l'installation, mais par ces gouttes d'eau qui vont tomber et qui forment, au fur et à mesure des secondes qui passent, en fait, des images et du texte. Donc ils sont très bluffés, j'ai envie de dire, émerveillés en fait par cette technologie.